Comment créer un look vintage dans Premiere Pro? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner un look vintage à vos vidéos issues des boîtiers numériques. Ceci grâce à un pack très simple d'utilisation. En quelques clics, vous allez donner un look vintage à vos vidéos comme ce qu'on voit partout en ce moment. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Emmanuel Kecha, réalisateur, monteur, youtubeur. Sur cette chaîne, je partage avec toi plein d'astuces et conseils pour te permettre d'évoluer dans le monde de la vidéo et celui du clip en particulier. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne des contenus liés à cette thématique. Et si tu aimerais encore aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement quand tu montes tes projets, alors sache que j'ai mis une boutique sur pied où tu pourras retrouver tout ce dont tu as besoin lors de ton processus de montage, notamment ce pack qu'on va utiliser dans cette vidéo. Ce pack va te permettre d'avoir des résultats époustouflants et épiques rapidement sur tes vidéos. Et surtout les amis, restez très bien concentrés sur la vidéo car je vais vous montrer comment est-ce qu'on s'y prend pour utiliser très facilement ce pack. Et aussi, j'ai une annonce à vous faire en fin de vidéo. On passe directement sur Adobe Premiere. Voilà les amis, on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro. Moi, je suis sur la version 2024 comme d'habitude. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez installer ça. Du moins, vous devez importer ça dans le logiciel. C'est très important, j'insiste là-dessus. Une fois que vous allez télécharger le fichier, vous allez recevoir par mail un fichier WinRAR, donc c'est-à-dire un fichier compressé de tout le projet. Voici le fichier. Donc, vous allez chercher à télécharger l'application WinRAR et l'installer pour ceux qui n'en ont pas, soit WinRAR, soit 7-Zip. Bref, un logiciel qui va vous permettre de décompresser vos fichiers. Donc, moi, j'ai déjà installé, donc je peux juste double-cliquer là. Voici le projet. Je peux juste copier tout ça et je glisse même là où je glisse dans un dossier spécifique. Une fois qu'on a décompressé tout ça, voilà ce qu'on obtient. On obtient 4 fichiers. Une fois qu'on a ces 4 fichiers, voici le fichier projet qu'on va ouvrir et on va utiliser. C'est très facile, les amis. Vous allez voir. Je fais un clic droit, ouvrir avec Adobe Premiere Pro 2024 parce que c'est la version sur laquelle je travaille. Le projet va s'ouvrir, ça va vous demander de le renommer. Moi, je préfère que vous le renommez, peut-être vintage, et vous changez la localisation pour ne pas détruire le fichier d'origine. Donc, je peux peut-être enregistrer ça. Peut-être ici dans une image, je crée un nouveau dossier. Je vais mettre vintage 2024. Je double-clique là, je sélectionne le dossier et c'est là que je vais enregistrer cette version-ci. Donc tous ces éléments vont s'enregistrer dans cette version-là. Ça va m'empêcher de pouvoir écraser ou d'endommager le fichier d'origine. Maintenant, une fois que c'est en train de faire, ça localise le média et tout ce qui va avec. Voici un clip sur lequel on va travailler. Ce clip-ci sort ce soir. Donc ce soir, ce clip-ci va sortir. Je vais vous mettre le lien du clip en description pour ceux qui veulent bien aller regarder. Et s'ils ont des questions par rapport au projet, s'ils ont des remarques, même des suggestions, n'hésitez pas. Je serai très ouvert. Comment est-ce qu'on utilise ce pack? Très simple, les amis. Pour utiliser ce pack, on revient juste là. Voici. Le voici déjà en entier. Nous avons les soins FX, nous avons les transitions, nous avons les transitions verticales pour ceux qui utilisent pour ceux qui font les contenus verticaux. On a les transitions, soins FX, les overlays verticales, les overlays, les luttes, film grain, film effet burn, effet vertical et burn effect. Et ça, c'est le dossier technique. Donc, il n'y a rien à toucher ici. Première chose, maintenant, la première chose que je vais utiliser ici, c'est la transition. Je vais ouvrir là, je viens. Et 6 transitions, je peux prendre la 6e transition. Je la glisse. Oh là là, désolé. On prend juste la transition. C'est glisser, déposer. Tout simplement, les amis. Voilà. C'est long. Moi, je vais d'abord régler la vitesse. Je vais mettre 1 seconde. Je vais mettre, par exemple, ici 25 tiers. Voilà. Donc, si je mets 0 là, je mets ici 30. Non, non, non. Voilà. Voilà. Je vais ici, échelle, je vais augmenter mon échelle. Je vais passer l'opacité sur écran. Et comme sur le 6, je viens dans son effect. Son VFX étant pour moi, je cherche son VFX 6. Je vais le glisser là.
Comme c'est là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Je peux décider de couper ça. Et je mets juste cette partie-ci. Et on a ça. Voilà. Maintenant, on va encore essayer de prendre un second. Donc, je vais fermer là. Je vais prendre encore une autre transition. La deuxième transition. Voilà. Ben, écran. Voilà ça. Voilà. On a évité cette durée. Une seconde, non. Voilà. Je vais venir transition 2 sans FX. Je prends le 2, je mets là. Il est à même bon. Donc, voilà. C'est super. Je peux changer. Je prends le 3. Ainsi de suite. Maintenant, on va voir ce que donnent les overlays en fait. Ça, c'est les overlays verticales. Voici ma partie préférée. Les overlays, ça, je peux prendre ici, je peux agrandir comme ça. Et une fois que j'ai agrandi là, je peux venir, j'ai fait un burn ici, je peux prendre du 1 aussi, ou du 2 même. Je peux, voilà, je peux empiler comme ceci. Ceci, on va venir, on va agrandir. Là, on va mettre un mot écran. Même chose ici, on va agrandir. On va passer à un mot écran. Donc, si je viens avec ceci, là au bout, là, on a déjà ça. Voilà, très très intéressant. N'hésitez pas à parcourir tout le projet, que ce soit les transitions, les sons, les effets, les overlays. Bref, vous avez plein d'éléments là pour vous permettre de créer un look vintage sur tous vos travaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que ça va te permettre de dynamiser encore plus et de donner un autre cachet à tes vidéos. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. L'annonce que j'ai à vous faire dans cette vidéo est très simple. Le pack du shooter est presque terminé, les amis. Je suis en train de finir avec le montage des vidéos pour vous permettre de mieux l'utiliser. Alors, toi, en tant que vidéaste, en tant que monteur, en tant que réalisateur, en tant que clipper, qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans un pack comme celui-ci? Car ce pack se veut complet. Donc, essaie de me lister tout ce que toi, tu auras besoin de trouver dans un pack quand tu l'achètes pour ne plus avoir à te balader sur Internet pour vouloir te trouver. Essaie de me le faire savoir dans les commentaires. À mon humble avis, j'essaie de mettre tout ce dont un monteur a besoin pour faire ses montages. Donc, je peux oublier quelque chose. Donc, si tu as quelques idées par rapport à ce qui peut constituer un pack ultime pour un monteur, n'hésite pas de me le mettre dans les commentaires pour que je puisse en faire une version finale. D'ici là, porte-toi très très bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!